Bonjour, alors dans cette vidéo, on va compter ensemble jusqu'à 19. Je pense que tu sais déjà compter jusqu'à 19, mais bon, on va quand même le faire et on va le faire d'une manière un peu spéciale pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors le premier nombre, c'est 1, donc j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis après 9, bah, j'ai 10, ensuite j'ai 11, 12,

Alors bon, tu dois te dire, bah oui, tout ça, je sais très bien, je sais compter et écrire les nombres jusqu'à 19, il n'y a pas de problème. Mais alors pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça Pourquoi j'ai fait ces deux colonnes-là Tu vas voir que en fait, ça permet de comprendre pourquoi on, on écrit les nombres dans les dizaines qui est de cette manière-là. Parce qu'ici, tous ces nombres-là, ils ont quelque chose en particulier. Bon, évidemment, c'est les nombres qui sont plus grands que 9. Hein c'est 10, 11, enfin, c'est les nombres à partir de 10. Alors, il y a autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, ils ont tous... Leur premier chiffre, le chiffre le plus à gauche, c'est tous un 1. Là, j'ai un 1, là j'ai un 1 aussi, là j'ai un 1, là j'ai un 1, là j'ai un 1, là j'ai 1, 1. Voilà, tous les nombres qui sont dans cette colonne-là commencent par un 1. A chaque fois, on a le chiffre 1 suivi d'un autre chiffre immédiatement à droite. D'ailleurs, pour que ce soit plus clair, je vais rajouter un 0 dans la première colonne. Alors ça c'est intéressant à remarquer parce qu'en fait ce chiffre-là qui est à gauche, eh bien, dans la manière qu'on a d'écrire les nombres, eh bien, en fait, il ne représente pas 1 mais il représente une dizaine. Et il occupe la place, ce qu'on appelle la place des dizaines ici. Donc ça, ça c'est la place des dizaines. Et ce chiffre-là qui est à droite, eh c'est le chiffre des unités. Alors, je vais l'écrire comme ça. Ça c'est la place des unités. Voilà. Alors, Maintenant, en fait, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe. En fait, ce nombre-là, ce 1 qui est là, c'est donc une dizaine, donc c'est 10, et puis là, j'ai 0 unité. Donc cette écriture-là, en fait, elle veut dire j'ai une dizaine, donc ça c'est 10, plus 0 unité. Voilà. Donc là, évidemment, tu dois dire bah, c'est un peu stupide parce que quand j'ajoute 0, ça ne change rien au nombre. Donc là, je n'ai rien écrit de très intéressant. Mais ça devient plus intéressant quand on passe à la ligne du dessous, parce que ici ce qu'on voit c'est que ce 1 qui est là bah, c'est toujours une dizaine. Hein. Donc en fait ce qui est écrit ici c'est une dizaine, donc 10, plus ce chiffre là à droite qui est celui des unités, donc plus 1. Donc voilà, là c'est plus intéressant parce qu'on a écrit 11 comme 10 plus 1, donc c'est une dizaine, puisque une dizaine c'est 10, plus une unité. Alors on continue la ligne du dessous, donc ça c'est. 12, là il y a ce 1 qui représente un 10, donc c'est une dizaine, donc 10, plus 2 unités, puisqu'on a ce chiffre 2 ici à droite. Donc là, on a écrit 12 comme 10 plus 2. Alors je continue, la ligne du dessous, donc j'ai ici aussi une dizaine et 3 unités, donc une dizaine c'est 10, plus le nombre d'unités qui ici est 3. Voilà, donc 13 c'est 10 plus 3, une dizaine plus 3 unités. Alors je continue avec celui-ci, 14, donc 14, ce 1 qui est là représente une dizaine, donc j'ai ici une dizaine c'est-à-dire 10, plus ce 4 qui est là représente 4 unités, donc 10 plus 4. Donc 14 en fait c'est 10 plus 4. Alors je continue avec la ligne du dessous, voilà, donc j'ai 15, c'est ce 1 qui est là représente une dizaine, donc j'ai déjà une dizaine c'est 10, donc j'ai déjà 10 plus... Il faut que j'ajoute ce 5 qui est là, qui représente 5 unités. Donc il faut que j'ajoute 5. Donc 15, c'est 10 plus 5. Voilà, alors là, ce qui serait pas mal à ce, ce stade-là, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de faire la même chose pour ces 4 nombres qui restent 16, 17, 18, 19. C'est-à-dire que tu essaies de les écrire comme 10 plus quelque chose, 10 plus un autre nombre. Voilà, alors on va le faire ensemble. J'espère que tu as essayé de ton côté. Donc 16, là, ce 1 représente une dizaine, donc c'est 10, plus le 6 qui représente 6 unités. Voilà, donc 16 c'est 10 plus 6. Alors je continue avec le nombre du dessous qui est 17, donc là le 1 qui est là représente comme d'habitude 10, plus il faut ajouter les 7 unités qui sont là, donc 17 c'est 10 plus 7. Alors je continue avec le 18. 18, donc ce 1 représente toujours 10. J'aurais pu les écrire, d'ailleurs je vais le faire pour le 19, je vais l'écrire tout de suite, parce que je sais qu'ils ont tous une dizaine, hein. donc ça va être tous 10 plus quelque chose. Alors je reviens au 18, c'est 10 plus ce nombre-là qui représente les unités, donc c'est 10 plus 8. Et puis le dernier, c'est 10. 10 j'ai déjà noté, plus le nombre d'unités, donc il y a 9 unités, donc il faut que je fasse 10 plus... 9. Voilà, on a terminé, mais ça c'est intéressant parce qu'on comprend bien là de cette manière-là ce qu'on fait quand on place comme ça deux chiffres l'un à côté de l'autre. Le premier ici, c'est celui des dizaines, et donc il représente 10. Et celui qui est le plus à droite, le, donc le 0 ici, enfin ceux qui sont en jaune, et eh bien ce sont ceux qui représentent les unités. Et donc en fait, quand on écrit ce nombre-là, par exemple 1 et 4, et eh bien c'est... Euh, une dizaine et quatre unités, donc en fait, ça veut vraiment dire 10 plus 4.